Bonjour et bienvenue sur Code d'Habitude Gaming en compagnie de Knorfang pour un nouvel épisode de Hitshade. J'ai testé, hein, j'ai fait ma petite sauvegarde, je suis mort de froideur et oui, vous apparaissez au dernier endroit, on va dire endroit lit, que vous avez débloqué. Et on se dépelle, d'accord. Donc encore une fois, un nouvel épisode dans lequel je vais raqueter une bougie. C'est fait, quota de raquette accepté. Dormir jusqu'à qu'il fasse jour. J'aimerais voir si 7h c'est valide. Tiens, 7h30. Voir si on peut sortir à 7h30. Et bah écoutez, j'ai réfléchi un peu à la quête de level 12 là, qui nous est donnée là, qui consiste à aller chercher le Renardo. J'y suis en train de penser, et j'étais en train d'y penser. Pause Benaram, hein, chaîne à y penser, hein, allez vous abonner. Il va me falloir le radeau pour aller chercher le Renardo qui est censé être au fond du lac. Le lac, alors il est là-dedans, il est peut-être même au milieu par là ou par là-bas, on sait pas où est-ce qu'il est. Bref, allez, falaise de Riffland, tiens, il faut que j'aille les peindre. Donc, il est rue de Nava, bien sûr. Il va falloir ce radeau, il va falloir une canne à pêche pour l'attraper, il va falloir un appât pour choper le poisson. Enfin, bref, il faut un monticule de trucs qu'on n'a pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va quand même aller débloquer. Ça parce que sinon on ne résoudra pas de quête dans cet épisode, ce qui serait évidemment un drame. Voilà. Voilà, voilà. Donc notez que j'ai pas eu à relancer le jeu comme pour... Enfin, j'ai pas eu même à lancer le jeu tout court, hein. Je tourne cet épisode au à la suite du précédent. Donc vous voyez, ça saccade un peu moins. Ça saccade un peu moins, on est dans des coins qu'on connaît déjà. Ça saccade un peu moins. Oh, on prend tout, hein. Parce qu'on survit vraiment pas beaucoup. Faudra que d'ailleurs que j'achète du thé à l'occasion. Taper des petits parcours. Rien que, en vrai j'avoue, on s'en fiche puisque si je tombe de froid à partir du moment que j'ai sauvegardé avant, le jeu n'est pas punitif. T'es là pour vivre une aventure avant tout. Donc ça passe en fait, t'arrives dans le dernier lit que t'as débloqué. Et c'est marre, quoi. T'as rien perdu. Le jeu n'a pas de soucis. Il y a des petites épées quand même, hein. Même des petites souffrances, hein. Il est où, mon pêcheur? Il est où encore, hein. Ok, t'es moins loin. T'es devant chez lui, le mec. Ah, il est là. What a lovely sandy beach you've painted. Would you be willing to give it away for the opportunity to learn? This is splendid! It will be the prized piece of my sitting room. Now, here's how to make twine. Mind the plants underfoot! Yes, on a débloqué la ficelle. Je peux lire ton livre, non? What can I do for you? Je fais un sujet. Autorisation d'entrée à Nava. Any friend of Bojan's is a friend of mine. Here. Nice. Oh, mind the plants underfoot. Du coup, je peux déjà savoir fabriquer son truc ou il faut que... Il faut de l'enduit. Moi, je fabrique de l'enduit. Oh, poulet. Hello, good friends. Where's your raft? I think Corona can do that. Tour, bientôt. Tac. Ah, je pourrais même aller voir, tiens, celle à qui j'ai peint son oiseau là. Voir si elle me donne ma troisième. Ah, je. Ooh, ooh, thanks for the painting. Ooh, for a friend like you, of course. Super. Bye now. Ah, donc l'autre clodo ne me l'a pas fait, d'accord, top. Donc le problème qu'on a, c'est qu'on sait faire de la ficelle à base de racines, pas de problème. Par contre, on sait pas faire d'enduit. Paf. Pour le radeau.
Un club exclusif. Un homme sur la plage cherchait une amulette qu'il a perdue dans l'eau. Elle semble avoir une grande valeur pour lui. Ah, elle est dans l'eau. D'accord, parce que le mec ne nous a rien dit, quoi. Mais vraiment, il nous a rien lâché. Farce, un apparent inapte, dernière volonté. Non, c'est pas ça. Un radeau de pochaflor. L'ingénieur est d'accord pour me montrer comment fabriquer de la ficelle à condition que je paye un. Montrer comment fabriquer de la ficelle en échange d'un tableau. Fabriquer un modèle très particulier de radeau à base de pochaflor. Cela nécessite pas mal de ficelles, mais il m'a dit qu'on de vrai. Donc attends, maintenant si je retourne te voir, tu vas m'apprendre à faire de l'enduit. Pas moyen. Mais mec, t'as un maçon portugais ou ça se passe comment? Hello, good friends. Where's your raft? Ok. Bah, l'enduit s'est râpé. Je sais pas qui va m'apprendre à faire de l'enduit. Ou là, faut que je redemande à vieux man. What can I do? Mind the plants underfoot! Alors, au revoir, Gassure. Je vais retourner à l'Indo, je vais aller chercher une troisième lettre de recommandation. Je pense qu'on peut trouver ça. Oh là, le repop de ressources, ça c'est la vie. Ça c'est la vie. Faire un plein de petits bâtons de bois, vous allez voir, ça va être le gros style. Mais je vous épargnerai cette phase là quand même. Grand prince, quand même. Il est encore là l'architecte ou il est barré? Il est barré. Une espèce de pourriture féministe. I saw you talking with the captain. How is she doing? Elle aimait vraiment son navire. I don't think I've heard her talk about much else. I wonder if she'll ever recover. How have you been? Oh bah. Il va y avoir un truc avec elle. I would if I could, but I'm not ah oui, il n'habite pas ici. Au revoir. Donc voilà, le père on peut pas lui demander, le ours on peut pas lui demander, le gamin ça a aucun intérêt, donc maintenant, l'aubergiste. Ok, je crois que je pouvais parler. You look well. Oui, alors consultez. Certainly. J'ai un petit peu de sous, donc le style. Choix d'un sujet, s'il te plaît, madame. Sure, I can do that for you. Ah, super. Ah, voilà. Allez. Take care donc, now. Normalement, sauf erreur de ma part, si je vais voir dans mes objets, lettre de recommandation, entrée nava, mise à jour, donc c'est bon. Normalement, je dois avoir mes trois lettres. Elles apparaissent pas dans mon matériel, mais bon, c'est pas dramatique. Faisons un petit voyage rapide. On va voir comment ça se passe. Would you like a ride to Nava? Oui, my ox is Nava, strong, no? On gagne un temps fou, n'est-ce pas? En espérant que quelqu'un m'apprendra à faire de l'enduit. Voilà, parce que c'est pas faire d'enduit. On peut toujours pas faire un petit radeau. Et personne ne semble vouloir me l'enseigner. Ou alors j'ai raté le coche et j'ai déjà oublié où est-ce que c'était. Quoi, vous voyez, problème d'espace et des épisodes. Quand les quêtes s'entremêlent. Voilà. La maladie Elder Scrolls, la maladie des RPG même tout court, où les quêtes s'entremêlent. Et si tu décroches, t'oublies comment ça marche. T'oublies tout. Bonjour. Do you have your references in order? Oui, bien sûr. Yes, it appears everything is in order. Go right ahead then, and welcome to Nava. Ah, merci, Nounourson. Ça, c'est joli, hein. Un pétard et un style, hein. Ça va claquer encore plus si je compte les graphismes. Attention. Ça, c'est vraiment juste pour vous. C'est un singe.
contre, on doit être en 20 FPS. Donc, on va se calmer, c'était joli, c'était bien. Calmons-nous. Ouais, par exemple, en 8, c'est bien. On applique. Voilà. En 8, on est comment? Bon, je suis en 8. Très bien. Ah, mais c'est vrai, c'est mon ami le nourson de la blague. Non, c'est pas lui. Les ours, ils se ressemblent tous. C'est une bande d'ours. C'est celui-là. Non, c'est pas celui-là non plus. Par contre, si je me rebascule. Attendez, je vérifie. Si je me rebascule en médium. Ouais, les effets d'ombre de lumière sont moins jolis. Mettre sur la qualité du tube, on va ramer un peu, hein. On va ramer encore un peu plus, mais bon, vous me direz ce qui vous plaît. Ouais, tant que c'est joli, ça me va. Même s'il faut que je marche pour que ça charge tranquillement, marchera. Ouais, je fais les coins de rue, hein, vous savez, moi je suis à la recherche d'une boîte. Hein. Ah, voilà, des boîtes. Il y a une passion pour les chats, hein, je crois. Je crois que les devs ont une petite passion pour les chats. Oh, Leilani. Yes. She's, well, she works in the spice shop down in the lower market. She's not the best cook, though. But she's wonderful. I mean, you know, she's a great person. So kind, funny, thoughtful. We've been spending a lot of time together lately. Things are really so great between us. I think I want to ask her if she'll be my girlfriend. I want to be somewhere special when I ask her, though. Somewhere magical and perfect. Like sitting on a golden cloud at sunset while butterflies circle around us. But you're probably not interested in this kind of thing. Ah bah non. Pas du tout. Dites-moi she plus. Loves bread. So yesterday I baked her a loaf in the shape of a rose. We ate it together on a bench in the garden. It was so perfect. Oh my god. What if I already missed the perfect moment? I'm just so nervous to ask the question. Can you... Would you do me a favor? Can you find out Leilani's favorite place? I know it's kind of silly to dance around like this. I just want it to be special. Ah, bien sûr, je peux le faire. You're pas the problème. Best. She works in the spice shop down in the lower market area. Let me know what you find out. Please hurry. I'm so excited. Ah, tu peux pas faire comme tous les bons boulangers et sombrer dans l'alcool. Oh dear. Oh no. I've done something terrible. I'm not sure if we've met before. But I need help. Oh dear. This morning I sold some zucchini. I thought they were zucchinis, but now I still have the zucchinis here in my basket. I sold toxic tubers. Oh god. I've no idea who I sold them to. Qu'est-ce que tu foutais avec des tubercules toxiques? Bref. Ouais, quels sont les symptômes? Dumb legs, upset stomach, and then, oh, hours of vomiting. D'accord. How will this ever be okay? I'm ruined! Once was bad enough, but... twice! And now people are gonna start being sick! There's so little time. I need to recover those tubers. Can you help me? I've got no one else to turn to! Thank you! Please, just ask people if they bought any zucchinis today. Tell them what happened. And get the tubers back. I sold 4 zucchinis altogether. And I put them in blue bags. Maybe that could help you find them.
Oh god, I hope no one has eaten any. 4 courgettes dans des sacs bleus. J'espère que t'as tout mis dans le même sac, sinon je te déteste. Ah, fromagerie miel, sympa. Bon bah. Dans des tours de piste, hein. Je peux pas te parler à toi, toujours pas. Oh. Un tunnel. Un long tunnel. Un très long tunnel. Ah, la forme d'un tunnel. Comme c'est agréable. Il est off. Ouah, c'est la vigne du roi. Incroyable. On se balade. On visite. The Pauper and the Elk. J'ai aucun des deux mots. Désolé. Mais ça a l'air visiblement formidable. Il y a un forgeron hein, dans le château, je crois. Élixir de vie. Harvest Knife, machin, tout ça. Bonjour. Voilà. Le gars à travers la texture, c'était intéressant. Get your news here, get your news here. J'espère que je vous dérange pas trop. Hein. What's the password? Je ne sais pas. And get lost. Bah écoutez, au revoir, la bonne journée à vous aussi. Hein. Ouh, on est vachement bien reçus hein, dans ce pays. Hein. Pays dont je dois peindre des rues. Ne l'oublions pas. Je peux pas fabriquer une nouvelle toile d'ailleurs. Non, il manque une cagette, ok. Il manque une cagette, j'ai 2 planches sur moi, dont bah, une déjà peinte. C'est la misère. Faut que je trouve une autre cagette, parce que là, si je peins les rues, c'est fini quoi. Ah, plus une toile sous le coude. Hein. Et je sens que va falloir que je peigne une toile pour Nounoursod pour capter son moment super spécial. Car tout est super spécial. On est parti en Chine, hein, c'est gay. Hein. Non. Ça va nous lâcher un gros rap de shuriken, t'as vu? Ça c'est des gens. Ça c'est une jante. Ce sont des gens. Encore des gens, mais pas de sac bleu. Un gens, mais pas de sac bleu. Le freeze du chargement, il y a un vrai problème de chargement dans ce jeu. Et tiers ces individus. Ok. Les individus tiers. Wow. Faut du tissu. Allez, dis-moi qu'il y a une cagette, dis-moi qu'il y a une cagette. Moi je suis prêt à laisser mourir toute la ville pour une cagette là. Et peindre un fabuleux cimetière. Porte avec un verrou que je ne visualise pas. Oh, une porte qui ne s'ouvre que d'un côté. Ah, cagette. Ah, je suis rassuré. Well, hello there. Such a great day, isn't it? Tout à fait. Ah, I just love days like this. Last night, I saw 2 shooting stars, and right then, I knew today was going to be a fine one. Ah, you're an artist? Oh, you must be very skilled. I can barely draw a straight line in the mud. If you're feeling especially energetic, we could always use a hand in the fields. We've got a lot of work down on the pea terraces. It can be draining, but I like to read in my free time. A nice book of poetry always boosts my spirits. D'accord. What? Are you serious? Okay, well, I bought some, but I definitely didn't eat them. I'd never make that kind of mistake. I just don't have them anymore. Threw them away. I need to go now. Ah. Like I said, those are long. À bientôt. T'es malade, hein? En fait, il les a mangés, ce con. Ah, ah. Bon, tu veux un coup de main pour les poids, là? Pour les poids cassés, c'est ça? Ouais, pas de problème. Hein. Je prends de la thune, hein? Moi, j'aime prendre le pognon, ma gueule.
To an outsider, this shady hillside might not seem like the best place to grow peas, but the farms of Nava's East Side have been producing for hundreds of years. You see, East Shadian peas don't handle direct sunlight like the continental variety. Now look at me, talking your ear off about peas already. Say, if you're looking for things to see in this country, you should find your way out to the Teefmoor Bluffs. There's some gorgeous farm country out there. When I was younger, I'd head out there all the time. But these days, I find myself a bit too busy with my peas. Navian demand is higher than ever, you know. By the way, if you need a few extra glowstones in your travels, I could use an extra pair of hands shucking some peas for market. I won't lie to you, though. It's tedious work. Can really drain you. Choix du sujet. Ok. Travailler. Fantastic. I'll show you what needs to be done. It's not too complicated. Oh! J'adore travailler pour vous, monsieur. C'est un véritable plaisir. On peut pas lui prendre une pelle? Ah non, mais là c'est le loot final, quoi. Si je peux lui prendre une pelle... Ah non, me dites pas qu'il y a des cagettes là-dedans. Ah non, mais je vais faire tout le tour du truc, là. Ah, mais me faites pas ça, quoi. Ah, vous êtes vache. On va rentrer ici. Ah non, mais attendez, s'il y a des cagettes hypothétiques dans les champs de bois cassés, là, ça va me les casser. Ça va me les briser. Y a pas moyen de connaître l'heure ? Est-ce que c'est vraiment important? Hein? Moi, je propose plutôt de travailler. Go! Need a few more glowstones, eh? Well, that's great news for me. Parfait, j'aime l'argent, Hold monsieur. It. Say, I really appreciate the work you've been doing around here. C'est même pas intéressant de courir pour les... après les quatre plumes de l'autre naze pour ratisser le paysan local. Péta tout son fric, quoi. Juste en cliquant sur oh, ok, je vais travailler. Genre, il y a vraiment rien à faire. Il n'y a ni à attendre, ni trois clics à faire sur un mini-jeu bête. Juste à prendre la thune. C'est bien. À ce stade-là, on peut donner nos toiles. Hein. J'avoue. Donc, on n'aura plus rien à faire. Ok, donc ça, c'est des poulets. Une porte fermée, un canon que je ne saurais voir. Cagette de pop. Des cagettes tout court, je peux pas te parler, parfait. Cagette, ok. Well, looky doda, we've got a fresh face. I haven't seen you in the city before, and I like to think I know just about everyone around here. Allow me to introduce myself, I'm Osha. Some people around here call me the one glowstone guy because I'll buy anything for one glowstone. Any item under the sun and moon. D'accord. So just one. The way I see it, I already got just about everything I need in life. So nothing's worth more than one glowstone to me. There's only one thing that's worth more than a glowstone to me. One special thing. That thing is mountain wort. I'll give you two for that. It's pretty. Adds a nice burst of color to my pile here. D'accord. Donc pour te vendre de la cotivraie, en sachant que je sais pas à quoi ça ressemble, un gâteau, des racines. Ah oui, donc je peux te vendre des racines pour un bal, quoi. J'en ai quelques-unes, hein. Je te cache pas, voilà. On en a un petit peu, sauf une poussure. Son bazar. Le mec. Le mec, c'est foutoir, maman. 5,2 pièces. Le commandement de Thiem. Qu'est-ce que c'est que ce. Qu'est-ce que c'est que ce. Alors, attendez. La romance du marché, tubercule toxique. Le commandant du Thiem, j'ai lu un avis de recherche, un groupe appelé les chaises. Les chaises. Alors, ils auraient dû y penser à la traduction éventuellement. Les chaises, des anciens membres du gang des bancs, cherchent des informations à propos d'un autre groupe appelé les racines.
j'avais envie de faire une blague sur les œuvres de Racine, mais j'ai oublié les œuvres de Racine. Je veux qu'il fasse un son de piano quand même, chez toi je m'inquiéterais. T'as dû te faire arnaquer quelque part. Hein. Donc les fameuses rues de Nara, bruyantes, bondées de monde, incroyables, que je ne résisterai pas à envie de peindre. Bonjour. I saw a wonderful show at the Tarnished Teapot last night. The tea house hosts a different musician or storyteller every evening. Oh, they are such inspiring events. Joli sujet. Goodness, I almost fed this to my grandmother. Thanks for finding me. Here, you take it back. I don't need it anymore. Okay. I don't know much about the group, other than that it's some sort of spiritual gathering. But they do love dream tea. It's sacred to them. I think my father-in-law belongs to their group. I should ask him about it. Oh, have you been there yet? I highly recommend it. Just relax, sip some tea, and have a lovely nap. A perfect way to spend an afternoon. Ouais, c'est des hippies foncés. Peu importe. La bonne journée à vous, bien sûr. Bien évidemment. Je pense qu'il pourrait être intéressant que je pose une fesse pour peindre... Je vais m'arrêter un instant pour peindre. Non, je peux pas te parler. Monsieur-là, je sais pas si je peux lui parler. Passer là par contre, en tout cas. Il y a un nom d'établissement. Le Tamichet Teapot. D'accord, donc c'est ça la théière tiède. Alors, retour sur mes quêtes. Dernière volonté. Une vue sur les falaises, plus haute cime, et une vue depuis le sommet de la tour commune de la ville principale. Un arbre géant, vu depuis les falaises riflantes. De la tour commune de la ville principale. Faut que je grimpe là-dedans, quoi. D'accord. Alors déjà, on va faire une chose. Hein. Je vais aller ici débloquer ce que je... Je peux pas te piquer ton encrier, là ? Ouais, mec, t'es pas drôle. Bonjour. Welcome to the inn below the Tarnished Teapot. C'est comme ça que cet endroit s'appelle. Incorrect. That is the name. We once had another name, but everyone just called us that inn below the Tarnished Teapot. I don't really blame them. This place is a bit of a dump. The manager has really let it go. D'accord. Me. D'accord. It's cold and damp. Tiny windows. Smells a little stale. At least the front door's nice and big. That's a plus, I suppose. Ah ouais. Huh? Sounds hard. D'accord. You sure? We have rats. If you really want, first door on your left. Ah, bah t'es un racine, toi, c'est ça? It's kind of like a club. People go under the city to drink. It used to be open for everyone. But there was a dream party out on the Salt Spring coast a few nights ago. Who knows? Maybe you can make the right connections and get a chance to try some. Ah! Pulsion, ce que j'ai découvert donc, dans l'épisode précédent, qui est la petite plage, machin, etc., etc. Raquette de bougie. Livre. Le guide des explorateurs des falaises de Riftland. Les distantes falaises de Riftland sont une destination très appréciée par les ombragiens.
Les falaises ont autrefois été un centre d'activité débordante suite au grand boom de l'industrie éolienne. Aujourd'hui, cette excitation est retombée et les voyageurs sont accueillis par le doux grincement des moulins. Les prairies herbeuses qui s'étendent à perte de vue attirent les cueilleurs en tout genre. Et ceux qui savent où chercher peuvent y contempler des ruines très anciennes. Toute personne désireuse d'explorer la région se doit d'emporter un manteau ou une bonne réserve d'hydromel afin de se protéger du vent glacial qui balaie les falaises la nuit. Pour en profiter encore plus, assurez-vous d'apporter une théière pour vous délecter des nombreuses herbes qui poussent dans la région. C'est verrouillé. Pas chez moi, ça, j'ai fait. C'est quoi le traquenard? Le jeu qui se transforme en jeu trop violent d'un coup. Traquenard, tu te fais agresser à l'auberge et tout. Tu te fais raquer tes trois pinceaux. Quoi? Ah. Ça bug un peu sur la dernière marche. Je peux rien lire, d'accord. Oh, mais c'est. Alors, agréable ici, dis donc. On s'éclate, on se fait un petit poker, les gars. Vous avez tous l'air de vous fendre la poire. Hein. D'accord, donc on commerce rien. On parle pas aux clients, aux touristes. Le boycott du touriste est total. Oh. C'est quoi tirer? J'essaie de comprendre le concept de ton machin là. Attendez, je fais un mouvement de balancier, j'essaie de voir si on peut en tirer quelque chose. J'ai sûrement un truc à faire avec ça, autre que jouer avec des bibis. Je prends une bougie, hein, ça vous dérange pas, monsieur, dame. Hein. Au revoir, la bonne journée à vous. Ouh, allez, c'est bon. Ouais. Les gens sont étranges. Hein. Sortons d'ici. Alors, il faut que je monte dans cette tour. Très bien. Tous ces braves gens ne parlent pas. C'est intéressant. Ouais, c'est grand. Hein. Là, non, mais autant pour le coup, Lido, je trouvais ça vraiment tricky. Alors qu'on dit que c'est une ville. Bon, là ils ok. Là c'est ok. C'est vraiment cool. Là. C'est ok, tiens. Ok, plein de que je donne. You made it to Nava! You still have the pastries, right? Oh, this is gonna be great! Okay, my brother's sitting at the table right outside the bakery. I'll go over to him first, then you follow behind. Remember, make him think you're a normal delivery person. Très bien. Allez, c'est parti, la bonne blague. J'espère qu'il est réellement allergique. Hein. Sinon, ce sera pas drôle. Can I help you? Salut Sergio, Tacchini. Commande les gâteaux à Franck. I've been expecting a delivery. Give it here. Donnez les gâteaux. It looks like someone's rifled through these. They were a little crushed too. A little crushing isn't gonna ruin the tangy, sublime, gorgeous taste of raspberries. Ugh. What? What's happening to me? This is the most revolting, sickening. This flavor. Grape! My tongue! It'll never be the same! What despicable baker would make an error so unforgivable? Je suis juste chargé de la livraison, moi. Neo! This my brother's idea of a prank? Poisoning a person's taste buds with the most repulsive flavor ever invented. That's just... it's...
Hilarious! I can't believe you actually got me. And Eo's always trying to do these ridiculous pranks. Usually I can see him from a mile away. You're messing around with great pastries? That's some risky business. You should be proud. I'm not easily pranked. Okay, cool. Top. That was perfect. I couldn't picture it going any better. He totally thought you were a delivery person. This one'll go down in family history. You should look into doing this for a living. I don't have much to give you, but seeing my brother eat a grape pastry was just priceless. Bon, par contre, le choix de la musique japonisante, autant c'est très joli à écouter, autant aurait-on réellement adopté ce style faudrait être plus judicieux, partir sur autre chose. Musique japonisante ou asiatique. Question. Après, c'est très joli. C'est pas très cool. Hi there. Oh, le shérif. Choix du sujet. They've been covering the city in flyers, demanding folk to report their neighbors. It's a bit unsettling, really. Can't say who's got the right of it, the Shez or the Roots, but it's been a long struggle. Not looking forward to seeing how it all ends. Just one of the many cultural pastimes of Nava. They're usually pretty secretive, though. You might have seen some signs plastered around demanding you report the Roots. Fine. Everyone's got their own opinions. Just don't report them to me. There's nothing illegal about their organization. It's all just a really long feud. It tore my dad's family apart, I guess. But you should just talk to the Shez directly. They're the ones looking for information. Alors t'as été enregistré aussi avec un micro de merde. Donc signaler et ça. Afraid that's not really something we'd normally do anything about. Voilà. C'est fait, mon job est fait, j'ai plus rien à dire. Hop, je pète un tissu. Et ce qui va m'intéresser, c'est d'accéder à cette grande tour, ainsi que bien sûr essayer de trouver donc à faire là où les deux dernières racines. Hop, les bleus. Allez. On a dit, je peux rien en tirer. What is it? I feel like I just ate a huge bite of death. All I had today was a zucchini. I mean, it looked weird, but it tasted really good. Oh, great. Yeah, I bought one. I ate it already. Oh, how long is this gonna last? I'm gonna kill Tao. Au revoir. Oh, this is horrible. Allez, amuse-toi bien, hein. Découvre la volonté de tes boyaux quand ils ont décidé de t'emmerder. Au sens strict du terme, allez, on aime la bonne blague, hein. La bonne blague, la blague qui tâche le fond de ton calbut. Allez, allez, on continue, hein. C'est parti, les blagues suivantes, alors. C'est Jean-Marie Caca. Non, bon, je vais vous épargner mes bonnes blagues. Ouais, bah, go entrer dans cette tour. Charmant. Avec moult individus. Une cagette. On aime. On love, on like. De toile. Oh, j'ai bien farmé, ça fait plaisir. Petite cagette de plus, on peut encore se faire une toile. C'est bon ça. Non, non lisible, hein, tout un petit peu. C'est la matrice. Ah, oh, c'est genre une grande bibliothèque. C'est stylé. Ça va, c'est stylé. Ouais, non, ouais, non, c'est stylé. Non, c'est stylé.
un historique du thé navien. Les naviens ont toujours hâte de retrouver la senteur florale des champs de thé qui accompagnent la saison des pluies. Bien que le plus gros de l'agriculture de Nava se soit orienté vers la culture des pois, les steppes naviennes hébergent les plus grands champs de thé de l'île, avec des plants parfois âgés de plus de 55 ans. Chaque fermier a ses propres méthodes pour faire sécher et pour mélanger les thés, mais la recette de base du breuvage ombragien classique est un mélange secret de trois variétés de feuilles de thé. D'après la légende, un riche marchand serait arrivé en ville au cours d'une grande sécheresse. Plutôt que de décevoir les marchands en ne lui proposant qu'une tasse de thé peu parfumée, les fermiers combinèrent leurs feuilles pour donner naissance à un arôme tout à fait nouveau. Les thés importés ces dernières années ont apporté une nouvelle variété sur le marché pour le plus grand plaisir des amateurs de thé qui foisonnent sur l'île. Ah, ils aiment le thé, hein. Ah, ils boivent du thé à l'infini. Bonjour. Always good to see a new face. Let me know if I can help you with anything. Oui, si, je pourrais te parler d'abord. I love it here. There's really no part of town I'd be worried to let my two daughters play unsupervised. I moved here right out of college when my longtime resident aunt wrote to me about a job opening in the library. It was quite a great distance for me to move, considering it was a bit of a paltry opening at the time. But 20 years later, as head librarian, I can't say I have any regrets. D'accord, littéralement, tu m'as vraiment raconté ta vie de nulle, quoi. Vous avez encore un chat dans votre bibliothèque. Non mais, faut faire quelque chose, hein. Vraiment, je vous jure, vous avez un problème avec les chats. Voilà. Je pense que les développeurs de ce chat, de ce jeu, ne font pas partie du comité contre les chats. J'en suis même certain. Je pense même qu'ils font partie de la ligue pour le pouvoir donné aux chats. Les structures D-Shade. Les tours de signalisation éparpillées sur toute la surface de l'île font partie des toutes premières grandes structures construites à Eachshade. Des gardiens installés dans chaque tour étaient entraînés à communiquer par code avec les communautés avoisinantes afin de partager les nouvelles de maladies, d'urgence ou de célébrations. Après le traçage des nombreuses pistes, les tours furent abandonnées, mais nombre d'entre elles sont encore debout. La première tour fut bâtie dans le vieux Lindau et elle servait également à communiquer avec les navires au large. Le gardien signalait fréquemment navires de passage de réclamer des denrées et des médicaments internationaux qui étaient ensuite distribués dans les villages avoisinants. Alors je trouve un peu dommage que le glossaire, si je puis dire, le glossaire employé fait trop moderne. On parle d'industrie, d'international, de... Ça enlève un peu de magie, hein. Le lexique, le champ lexical est pas un peu trop économico-moderne. Les renards ombragiens, une disparition rapide. Les champs d'East Shade accueillaient autrefois les renards d'Ay. Ok, donc les renards de Ay. Ces minuscules canidés mesuraient à peine 2 pattes de long à l'âge adulte et ils se nourrissaient exclusivement de baies. On pouvait fréquemment les trouver sous les arbres fruitiers ou dans des nids arboricoles et il s'agissait d'animaux extrêmement sociaux. La surexploitation des arbres fruitiers a mené à un rapide déclin de leur population, puis une infection arrivée par la mer a provoqué l'extinction de leurs arbres préférés. Les habitants de l'île ont essayé d'accoutumer les renardais à vivre en ville en se nourrissant d'autres fruits, mais sans réel succès. Moins d'un an plus tard, l'espèce s'était éteinte. Leurs cousins, les renardos, ont heureusement réussi à s'en sortir un peu mieux. On ne sait pas grand chose à propos de ces créatures et leur nombre décroît également à une vitesse alarmante. Les naturalistes ont cependant pu observer que les renardos sont très timides. Il peut leur arriver de ne pas oser approcher de leur nourriture ou de leur nid si quelqu'un se trouve à proximité. L'observation de ces créatures n'est donc possible qu'à bonne distance. Les renardos ont ainsi pu être aperçus en train de consommer des œufs ou de prendre soin de leurs petits. Très bien. Très bien, très bien. Bon, bah, une espèce encore disparue par l'exploitation, hein. Une espèce civilisée, bravo, la belle mentalité. Je t'accuse-le.
incroyable. Pouit, 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 pouit. Bon bah je suis au sommet. Hein. Je suis... Oh! Il y a encore des choses à voir. Là je fais un tour complet. Hein. C'est ouvert au milieu. Comme c'est intéressant. Bonjour. Sorry, you can't go up there right now. We're doing some renovations. Quand pourrais-je monter? Hard to say. Maybe in 10 months, give or take. Could be longer if we hit any delays. Y a-t-il pas un moyen pour que... Donc jamais. If you're here to visit, yeah, you won't be seeing it this trip. Sorry about that. N'y a pas d'autre moyen pour que... Well, you need a pass. Any official from the university should be able to give you one. D'accord. Très bien. Have a good one. Donc, à la limite, je pourrais demander à la bibliothécaire. Très bien. Intéressant. Donc, on a vu déjà une première porte. Oh, je sais même plus quelle porte j'ai vue. Bah, c'est pas celle-là. Allons voir ici. Ah, c'est des appartements. Intéressant. A new face. Allow me to introduce myself. I'm Zara, assistant research scientist here at the university. Do you know of Melek? He's the merchant selling the so-called elixir of life down in the market. Non, je l'ai pas encore vu. I have a favor to ask of you. Do you think you could perhaps go to Melek's shop in the market and buy me one of said elixirs? I'll buy it from you at twice what it's worth. Fantastic! You can find me here just about any time. I'm always working. I know it's a spectacular view. Beyond that, though, is there any reason specifically you need to be up there? I see. Well, I'll tell you what. Help me with discovering the truth about Melek's elixir, and I'll get you a pass. They're a group that highly appreciate. It's quite the latest science, actually. Oui, d'accord, mais. De toute façon, on verra ça dans un prochain épisode. C'était Knarfang sur Comme d'habitude Gaming qui vient de réussir à péquer une bougie à East Shade. Et je vous dis à la prochaine. Des bisous. Ciao.